Let's go again sur Mass Effect. Alors, on avait bien bossé la dernière fois, on avait récupéré Yara, sauvé des scientifiques. Et voilà, il nous restait plein de trucs à faire. Alors ça, on avait dit qu'on s'en foutait, on l'avait déjà abordé. Là, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire et je crois qu'il n'y avait rien à faire par ici. Ok, rien à faire. Pif, essayer d'autres planètes, non. Bon, on va aller ailleurs. Je sais plus s'il y avait des. Si on est allé là. Ouais, vas-y, let's go. Hein. Je ne sais plus. Détail. Ouais, on est allé, je crois. Parce que c'est là qu'on a récupéré l'IRA. Me semble-t-il. On a tout analysé là. Rien d'autre ici. Secteur Voyager, Gémeaux Sigma, l'astéroïde. On peut aller là. Qu'un seul système a priori. Très bien, allons-y. J'espère qu'on ira faire aussi. Je crois qu'on a des choses à faire là-bas. Commandant, j'ai un appel du QG de la 5e flotte. Je vous le transmets par radio. Commandant Shepard, nous avons un petit désagrément. Pendant la guerre du premier contact, nous avons lancé un grand nombre de sondes d'espionnage dans l'espace turien. Nous venons juste de recevoir un code de l'une d'entre elles, nous signalant qu'elle avait accompli sa mission. Et en quoi c'est un désagrément? Quand ces sondes ont été lancées, nous ne savions pas contre qui nous nous battions. Nous ne voulions pas prendre le risque que les extraterrestres étudient notre technologie. La sonde est dotée d'une charge nucléaire de 20 kilotonnes, équivalente à celle qui a dévasté Hiroshima au XXe siècle. Si quelqu'un trouve cette sonde et se met à la bricoler, inutile de vous faire un dessin, commandant. Je comprends l'urgence, mais je n'ai personne de compétent pour gérer ce genre de problème. Je sais, mais je ne ferai pas appel à vous sans une bonne raison. Ça fait 26 ans que nous tenons secrète l'existence de ces sondes. Le Conseil jugerait l'utilisation de ce genre de dispositif dangereuse et irresponsable. L'Alliance pourrait être sanctionnée si quelqu'un d'autre trouvait cette sonde. Je vous le demande parce que le Normandie peut être sur place rapidement et en toute discrétion. C'est dans le secteur Voyager. On s'en occupe immédiatement, amiral. En toute discrétion, bien sûr. Merci beaucoup, commandant. Bonne chance. 5e flotte, terminée. Ok, bon, bah, on peut tenter de. Ok, donc là, on peut atterrir. On peut rien faire. Analyser ici. Ok, on a découvert du plomb, je sais pas quoi. Ah, ça c'est on va bien ça. On a trouvé de l'azote, c'est bien. Déjà fait. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc on va aller atterrir là-dessus, là, sur du binium. C'est pas dangereuse, on y va. Alors qui on envoie? Tiens, Lyra, elle a pas. Ah, foutu elle. Dali.
Let's go. On va les faire bosser. Alors là, t'as 4 vertèbres de pété, hein, avec un truc pareil. Alors. Ok. En payant, on a gagné des trucs. Wouah! Allez, à poil. Projection. Ok, super. Déchirure. Alors, elle va faire plein de trucs, elle. Très bien. Projection. Ok, pour lévitation, je sais pas trop. C'est pas mal ça. Barrière, ça peut être pas mal. Ok, on va peut-être mettre premier secours. Ok, là ça nous protège. Singularité, je sais pas ce que c'est ça. Pourquoi pas. Et voilà. Ah, Stas, merde. Bon, ok. Alors Lyra, putain, elle aussi a plein de trucs. Oh là là. Atténuation, tiens, décryptage. Ouais, toi, faut que tu prennes le fusée à pompe. Hein. Ok, un retour. Équipement. Toi là, t'as quoi? Ouais, t'as un truc de merde. Non, toi surtout. Allez, hein. Prendre ça. Et puis on va te mettre probablement armure légère humaine. Ouais, ça me semble pas mal ça. Hein. Tac. Après toi. Ça, ça me semble un peu mieux. Puis on va essayer de te trouver d'autres choses. Alors toi par contre. Des fusils d'assaut, je crois. Et ça. L. Ah non, fusil à pompe, c'est L. Elle a besoin de rien. Ok. Bien. Donc on va. Ah bah t'as déjà un cimetière machin toi. Ah oui mais non mais c'est elle qu'il faut elle qu'il faut donner le super Ah bah y'en a un là. Mais bon et toi là par contre je voulais regarder s'il n'y avait pas des modes d'armure. Plus 2 par seconde c'est pas mal. Oh, c'est les radiations, on s'en fout. Barrière cinétique, ok. Interface de soins, c'est pas mal.
Ouais, on va faire ça. Ok, là j'ai. Hop là, minerai précieux. Ah, j'ai trouvé des trucs. Ok, et là, sonde d'espionnage. Ok. Bon, voilà, pardon. Hop là, on va y arriver. Bah, y a plein de trucs là. Tac. Youpi. Vas-y, le camion. Ah. Ok, y a un truc là. Allez. Allez, on va aller. Le signal provient d'une mine ? Un piège. Ce doit être un piège. Je suis d'accord. La sonde ne s'est pas écrasée. Quelqu'un l'a mise ici. Il y a une ogive nucléaire là-dedans. On ne peut pas la laisser ici. Restez sur vos gardes. Bien compris, Shepard. Ok. Let's go. Sauvegarder, c'est ultra. Ok, let's go. Ok, RAS. C'est plus l'arnaque, ça. Ça pue l'arnaque, tout ça. Ok, là, il y a une... Putain, c'est quoi ce bordel? Ok, les gars. C'est plus la merde, hein. Ok. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il faut qu'on ouvre la porte là-bas. Il n'y a rien. Ok. Bon bah let's go. Hein. Ça pue les vagues d'ennemis à la con. Ça pue les vagues d'ennemis à la con.
priori, non. Quelqu'un a fait ça délibérément. Shepard. Enfin. Je ne vous connais pas. Je m'appelle Alenos Aliat. Vous ne devez pas savoir qui je suis. En effet. À votre avis, Shepard, qui dirige les clans Terminus? Des milliers de pirates, des esclavagistes, des criminels de tout poil? Dans la plupart des organisations criminelles, c'est celui qui est considéré comme le plus fort. Exact. Celui qui tue le plus d'hommes, capture les plus grands vaisseaux, pille le plus de colonies. Il y a 3 ans, j'étais le plus fort. J'ai usé de mon influence pour constituer une flotte. Nous comptions chasser votre espèce de la bordure. Mmh. C'est vous qui avez organisé l'attaque sur Elysium. J'étais l'instigateur, le leader, celui qui promettait gloire et richesse à qui ravagerait la plus grande colonie du secteur. Et celui qu'on a tenu pour responsable de l'échec. À cause de votre espèce, j'ai tout perdu. Mais quand j'aurai éliminé le premier spectre humain, qui pourra encore me cracher au visage? Ce n'est pas la meilleure solution, Aliat. Vaine parole de condamné. Adieu, Shepard. Qu'allons-nous faire, Shepard? On a de l'air, de la lumière et le Normandie est toujours en orbite. Cherchons une autre issue. Oh putain. Elle est où? Ah, elle est là. Ah ah, trop facile. Ah merde. Ah putain. Merde. Tac, et voilà. Trop easy, mec. Attends, le mec, il essayait de... Ah, mais si, c'est ça. Ah, je vais pas me gêner. Ouais. T'inquiète pas, je vais courir la gueule. Oh putain. Contact! Toutes les cibles sont éliminées. Voilà. Wow, putain.
gueule. Oh, je suis presque foutu. Allez. Oh putain. Boum. Voilà. Boum. Oh putain de merde. Non, 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 non. Voilà. Boum. Voilà, t'as d'autres questions toi? Ou le dernier là, que tu fasses à... Je lui défonce sa mère. Oh putain. Pim. T'avais d'autres questions, mec? RAS, commandant. Vous avez été utile, donc. Rien à loot. Rien à loot. Rien à loot. Ok, bon, bah, super. Non mais moi je veux pas... Bon a priori... Ah, petite précision Reaper. J'ai quoi moi, j'ai le hammer. Ah, capacité de dissipation, c'est pas mal ça. Précision un peu moins et tout. Mais mais il est pas mal, il est pas mal ce fusil, sachant que bon, je le laisserai peut-être à d'autres. Pouf, sauvegarder, très bien, on sauvegarde. Et par contre, non mais on va pas se tirer, non, on va looter tout ça là. Plein de trucs à check là. Allez-y, le camion. Recycler ça, nous. Putain. Super. Super, super. La carte de la zone est améliorée. Ah, d'accord. Ok. Alors, là, on peut continuer tout droit. Là. Ah mais j'y étais là, ok. Oh mais il y a un peu d'interrogation là-bas. Ah. J'arrive. Ok. Ok, super. Il me dit que ma carte de la zone est encore plus ou moins. Épave turienne. Une hauteur, ça je l'ai vu. Tac. Thank you.
un étage un peu plus haut. I guess. Il y a quoi, mais elle est où le pauvre? Ok. Attends, c'est pas possible ça. L'air, débris de moteur. La liste de l'alliance. Non, mais en fait, j'ai tout. Hein. Non. Hop là, oui, moi je vais remonter au Normandie. Bon, ça me paraît pas mal ça. Putain, il reste pas grand chose d'XP. Donc là, Veria Féroce, ok, donc là on attaque le truc principal. Ok, on a trouvé des trucs, là on a trouvé des machins, là on a trouvé des trucs. Ah. Ok, donc ça on va des trucs. Là, faut que je tourne la citadelle aussi, le fan, veilleur. Système Century. Hydra. Ok. Bon, je vais aller voir. Tiens, je vais aller voir mes camarades un petit peu. Docteur machin là, je m'en fous. La Lyra. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler? J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Mon peuple croit, bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple. Comme par exemple? La plupart portent sur nos... Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire. Mais son espèce et son sexe sont sans... Je dois vous laisser. Okay. Au revoir, Shepard. Bisous, allez. Donc là, il y a Kaidan. Qui est-il ici? Personne. On va voir s'il n'y a pas des jeux. Ok. Ah. Garus, non, on s'en fout. Officier d'approvisionnement. Eh, je pourrais peut-être parler à Ashley.
Commandant. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsuni. Le fait que sa mère et elle ne se parlent jamais. Elles sont de la même famille, non? Je crois qu'elle est franche avec nous, ou en tout cas, qu'elle ne ment pas trop souvent. Elle ne doit pas être très douée pour ça. Vous voulez que je lui pose des questions sur sa vie sexuelle? Ça pourrait être marrant. Vous n'avez pas mieux à faire, artilleur? Compris, commandant. Je vais me tenir. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. C'est impressionnant. Quelle est votre opinion sur notre dernière... Je ne sais pas s'il faut croire l'histoire du docteur Tsuni. Le fait que sa mère et elle ne se je parlent crois qu'elle est franche avec vous. Vous voulez que je lui pose des questions sur sa vie sexuelle? Ça pourrait être marrant. Faites ce qui vous chante, ça m'est égal. Ce n'est pas ce qui se dit. Dommage que ces ruines aient été détruites. C'est vrai qu'elles avaient des milliers d'années. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, chef. Bah oui. Ça, c'est qui, ça? C'est Garrus, on peut lui parler. Bon boulot, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante. Tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... Oubliez un peu tout ça. Les décisions existentielles, c'est pas ça qui va manquer. Oui, sans doute. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurai peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Si votre manière c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien et non vite, compris? Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Quand même. Pas n'importe quoi, là. Shepard, vous voulez quoi? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. À plus tard, Vrex. Shepard. Bon, je vais voir si l'autre il a pas des trucs à rendre de mire, là. Ça peut être cool. Il vous faut des provisions? Oui. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Alors, pour... Oh putain, j'ai du pognon! Armure lourde. Je sais plus si je peux porter des armures lourdes, moi. Ah ouais! Oh la vache! J'aimerais bien plutôt des fusils d'assaut 180. Ouais, ça je peux le... Ça je peux... Je peux le prendre. Ah vas-y, je prends ça. Et est-ce que je prends l'armure lourde?
préfère ça en fait. Ah, ça serait sur rien même en fait. Je peux prendre ça. Ok. Donc là, si je me... Merde, non, équipement, pardon. Ah ouais. Boum. Ouais. Ah putain, mais c'est... Attends. Taux de précision, capacité de dissipation. Et là, j'ai mis... C'est pas ce que j'ai mis comme, comme mode. Mode perforant. Non, phasique, non, perforant. Il y a bien un truc. Un truc genre a priori il n'y a pas qui pour améliorer la dissipation en fait sur synthétique sur cible organique. Ah, j'ai quoi, là? Ok, donc moi j'ai ça, j'ai ces trucs là sur les cibles synthétiques, je peux faire ça. Anti-personnel en plus. Allez, let's go. Ah, ah, je peux en mettre qu'un. Ah, fuck. Ah, mais c'est peut-être ça du coup. Dissipateur. Voilà, très bien. Voilà, dissipation maximum. Et là, je peux mettre celle-là. Pouf, oui. Bah, très bien. 216. Waouh, la vache. Super. Hop là, une petite sauvegarde. Alors là, on va être de mieux en mieux là. On achètera peut-être plus tard des trucs pour les. Pour les camarades, mais pour le moment, je pense qu'ils vont récupérer de la seconde main. Alright, alors on va aller prenons le commandement, on va aller sur, on a dit ça c'était fait, on va aller sur féroce. Forcément par là. En fait, ce qui est con, c'est que. C'est qu'il n'y a pas de. Pas de marquage. C'est-à-dire ce qu'on a déjà fait. C'est un peu nul. Réception d'un message, je transfère. Encore ? Normandie, ici PC Alliance. Nous détectons votre présence dans le secteur Attique Beta. Un de nos drones de surveillance a été abattu alors qu'il recueillait des informations sur les activités des guettes dans la région. Nous vous demandons de vous rendre sur cette planète afin de récupérer le module de données du drone avant les guettes. Ok. On peut analyser ça. Ok. Ça, on va analyser. Ceci. Atterrir, on ira après. Celle-ci peut analyser de l'or. Trop bien. Là, ici, on peut rien faire. Ok, bon, bah, une fois qu'on a fait ça, on va
ici. Mettre cela. Et par contre, j'ai récupéré, je pense, un petit fusil à pompe pour notre ami Garus. Je sais pas du tout. Oh là là. Ouais, j'avais récupéré. Ok, super. Ok, on a le module perdu, très bien. Commando. Ah, ça s'en fout. Ouais, moi je vais me mettre du fusil d'assaut de ouf. Bim. Je mettrai ça. Alors toi, tu vas faire quoi toi? Bah tiens, toi tu vas prendre immunité supérieure. Ah ouais, et toi je vais te mettre ça. Ok, et derrière c'est, ah oui, non. Allez, puis fusil à pompe, puis toi là. Toi, du coup, toi, ça serait intéressant. Putain, je peux mettre ou le fusil d'assaut, mais à la limite, on s'en fout. Allez, on va te mettre du fusil de précision, toi. Et on va équiper. Donc, toi, on va te mettre un putain de super fusil que tu as déjà. Juste dans ce cas-là, d'améliorer le chimique. Putain, ça peut être pas mal, hein. Et dans un tir 20%, bah ouais, non. On va te mettre ça. Et toi, là, on va te mettre un super... pareil, que tu as déjà, et on va te mettre un petit mode perforant. Et non, on va te mettre un concepteur aussi, hein. Non. Ça, allez, let's go. Ah, c'est trop bien ça. Je fais ça. Ah ouais, ah mais je savais pas. Bon bref, non, je suis où moi?
Là, il y a une anomalie. Là, il y a une sonde abattue. On va aller à la sonde alors. Alors ça, je sens que ça a bastonné. Ce qui dit sonde abattue dit gros problème. Ou pas. D'accord. Ok les gars, on va examiner ça. Le drone de surveillance. Mais où est le module de données? Ah, je ne sais pas. Ça va compliquer les choses. Ça c'est bien dit, mec. Allez. On va juste récupérer là un petit peu de minerai. Analyser. Ok, métaux lourds, gisement d'or. Putain, trop bien. Bon. Non, on va remonter dans le véhicule. Alors. Wouah. Colonie de singes. Putain, il y a des colonies de singes de partout. On va aller sur celle-là. Et puis comme ça. On va défoncer le bordel. Pas d'autre. Ok, bon, on va. Ok, bon, je pensais que ça se bastonnerait, mais en fait non. Ça va peut-être se bastonner à un moment où. On va récupérer le machin. Il y en a d'autres. Ah, il y en a un là.
putain, y'en a là. Putain, c'est chiant. Putain, à quel moment il y a des gens qui se sont dit que c'était drôle, quoi, de faire ça. C'était intéressant. Bon, on va retourner au machin, au camion, hein. Cette colonie de singes, forcément, ça va être la dernière. Oh, pardon, les singes. Ils ne pouvaient pas y couper. Ah merde, c'est moi qui l'ai tourné jusque-là. Je pense que c'était un peu en dehors de ma volonté tout ça. C'est là. Parce qu'il va falloir qu'on aille à l'intérieur. Ok, bon, on va remonter là-dedans, temps de faire baisser le niveau de danger, puis on va retourner là. De toute façon, je pense que ça va jouer là-dedans. Hein. Ah merde. Oh putain, il y a... Wow. Bon là, il y a du monde là. Merde, non, c'est pas ça que je voulais. C'était l'équipement, parce que là, Garus, toi je t'ai mis un fusil d'assaut, mais ça s'en va bien. Toi par contre... Ouais, le tornado là. Oh papa. Toi, tu vas envoyer du lourd. Fusil de précision de dingue. Ok. Alors. Non, bah a priori non. Pas plus que ça.
Fusil d'assaut, antibiotiques. Waouh, trop bien. Équipement. Ah ouais, je prends. Bon, y a-t-il d'autres singes dans la pièce? Toi, t'as pas forcément. Putain, c'est chiant. Toi, t'as non. On a d'autres des singes ou pas là-dedans là? Je t'ai déjà fouillé. C'est chiant. J'ai deux choix potentiellement. Il a laissé tomber le module. Le module a l'air intact. Joker va pouvoir transmettre ses données au PC de l'Alliance. Oh merde, putain. Putain. Chaud. Lancer, Banshee, Equalizer, ok, super. Ok. On va très bien. Wow, c'est quoi ce bordel? Bouclier désactivé. Ok. Périmètre nettoyé. Ok, ouais, pas peur. Là, il y avait des trucs là, là-dedans ou pas là? Je suis pas allé du coup ici. Easy. Tesseur 3, ouais, bon, ok. Rien de ouf. Garus la caprichère un peu. Oh, non mais toi là tu crois que c'est vraiment. Ok, super. La voie est libre. Il croit qu'il va me. Ok, bon, quitte la mine, on n'a pas peur. Ok, les gars, bon, ben, let's go. Hein. On va retourner au Camtar. Ah, c'est juste la colonie de singes, ok. On s'en fout. Hop là. Carte. Genre là-bas de toute façon ok et petite sauvegarde quand même parce que on ne sait jamais.
Particulier là. Non. Oh la vache. Bim. Ah, mais super. Ah, voilà. Oh merde. Attends, toi c'est... Ok, bon bah c'est nul. On va aller bon, on va aller là du coup. Oh merde. C'est très agréable à conduire là-dedans quand même. Je sais pas pourquoi ils ont fait des montagnes alors qu'il n'y a pas tant de satisfaction. Oh putain. Ok. Ça va marcher hein. Oh non. Oh superbe. Sur nous. Je gère en plus. Ah ah. Putain, c'est quoi ce machin?
c'est un nouveau truc ça. Oh, non, non. Allez, putain. Putain, allez, avance. Allez. Examiner. Ah. C'est la merde. Ok, bon, bon, on va retourner au truc là. Ok, bon, bah, on va remonter sur le Normandie. Hein. On va aller à Féros. Ok, ça on a vu. Il n'y avait pas d'autre système. Hein. Féros. Hop là. Oui. Est-ce que l'autre il va nous parler encore? Je ne sais pas. Oh, on a de la planète là. Là. Bim. Les gars, ah bah dis donc. Eh bien... Ouais, vas-y. Ouais. Faisons ça. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors, les filles. Projection. Sans, voilà. Hein. Alors, toi. Toi, tu vas te faire. Moi j'ai rien. Alors par contre, équipement. Ça me paraît bien ça. Ok.
Voilà. On va quand même améliorer tout ça. Non, raté. Ok. Il est amical. Nous avons vu votre vaisseau. Faidan veut vous parler immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a de si pressant? Les Geth vont bientôt lancer un nouvel assaut. Faidan prépare nos défenses, mais il a besoin de votre aide. En haut des escaliers, de l'autre côté du transporteur. Oh putain! Allez. Recharge, recharge. Je pense. Boum! Ok. Oh putain. Tac. Vas-y, reviens toi là. Voilà. Boum. Ah oh, putain, ça c'est relou, ça c'est relou, je vais pas sauvegarder en plus. Sauvegarde. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ok, super. On verra plus tard. Ah, tiens, c'est bon. Ah. Descends dans les tunnels. Assure-toi que personne. Les Geths sont de vraies machines à tuer. Si j'avais gagné un crédit à chaque fois que j'ai tué un Geth... Je suis bien content de voir des soldats. Préparez-vous. Si on ne meurt pas de soif avant, les Geths finiront par tous nous tuer.
croyez que c'est facile de cogiter quand ça pète dans tous les sens? Les guettes vont tous me tuer. Oh là là! Les guettes préparent une nouvelle attaque. Là, là, repose-toi. Détends-toi, ça va aller. Mes migraines s'atténuent. Il suffit juste de ne pas penser au passé. Bonjour, étranger. Ça fait plaisir de voir que le reste de la galaxie ne nous a pas oubliés. Repose-toi, ma chérie. Tu es encore un peu faible pour parler. Mais ils doivent savoir que... Non, je veux dire... Ils sont très importants. Oui, tu as raison. Vous avez besoin d'aide? Je... vais bien, merci. J'ai juste l'esprit un peu confus. Une migraine persistante depuis la dernière attaque. J'ai juste besoin de repos. Aucune trace de blessure. Cette douleur doit pourtant avoir une origine. Je vous en prie, elle a besoin de repos. Laissez-la dormir. Ravi de vous rencontrer, commandant. Il était temps que les secours arrivent. Vous arrivez un peu tard, vous ne trouvez pas ? Arcelia ! Pardon, commandant. Tout le monde est un peu sur les nerfs. Attention ! Il y a des guettes dans la tour ! Protégez le cœur de la colonie ! Où la tour ? Ah, c'est là. Allez. Commandant, si je ne m'abuse, nous allons dans la mauvaise direction. La tour est derrière nous. Bon, super, mais où ? Où ? Ah ! Ouais, je veux bien, mais... En fait...
Bah, j'ai où alors? Putain, mais quelle merde! Allez où? Donnons! Là on est Keblo, ok. Par là. Ah putain. Ok, j'avais pas vu. Présent contacter Faidan et sortir un véhicule du Normandie. Prochain objectif, la base des guettes. Ouais. Ouais, on va revenir là-bas. Hop. Si, c'est par là. C'est ça. Attends, moi j'aimerais bien quand même aller par là-bas. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais à mon avis, il y a des trucs. Oh mon dieu! Ils sont partout! Ah putain!
là. Oh, mais t'es pas mort. Ah, si, quand même. Moi je nettoie tout, hein. je ménage quoi. Je ménage jusqu'au bout. Hein. Bon là il n'y a rien. Cette valve semble faire partie d'un ensemble. Il doit y en avoir d'autres activées. C'est quoi ces trucs là? Tu tires là. Ok. Ah, réservoir de combustible. Lui non, lui il est foutu. Ok. Allez meuf. Putain.
commandant. Wow, c'est chaud. Putain de merde, non, au secours, oh putain, c'est chiant. Attends, j'en étais où? Celui-là, j'ai pas chargé depuis un bout de temps. Ah, cool, ok. Là, ça veut dire que là, j'ai bien récupéré tout. Parfait. Non mais par contre en termes d'île... Ah putain, ah ouais. Ah mais là je peux améliorer mon armure de combat. Paf. Toi, t'as 3 points. Tali, va toi. Ok. Ok. Alors toi. On sort 4. Mettre celui-là qui est plus... Et toi là, en fusil à pompe. T'as déjà ce qui se fait de mieux, et en termes de combi, bah t'as déjà ce qui se fait de mieux aussi. Allez. Mais non, ne fais pas ça toi. Oh putain, mais comment est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est B je crois pour Ah. En fait, faut que je me prenne les premiers coups, je pense. Je me mette là comme ça, paf.
putain, mais... Un pilote con qui se fait défoncer de l'épée. Oh la vache, putain, oh, c'est chaud. Bon. C'est chaud, c'est chaud. Et c'est l'autre con aussi qui fait chier. Ok. Oh, superbe. Lui, j'ai buté.
Et voilà. Oh putain, c'est pas fini. Ok. Bon les gars. Moi je sais pas pour vous mais... Là j'ai l'impression d'avoir... Ok, bon bah a priori j'ai fait du bon boulot je trouve, hein. A priori. Oh putain. N'est pas encore activé. Il faut croire qu'il nous reste encore au moins une valve à trouver. Par contre, je ne sais plus du tout d'où je viens. Par là ? Non, là c'est le vaisseau. Là-bas, je les ai défoncés. Un chemin par là? Oh là! Oh, dégage! Ok, les gars. Ok, super les gars. Bah, dis donc, oh bah lui.
Alors attends, on va parler au mec là-bas. Parce que le mec là, il a l'air un peu tout seul. Je sais pas qui c'est, mais... Un bon conseil, n'allez pas par là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je pourrais vous le dire. Je pourrais tout vous dire. Ça vous plairait? Je l'ai senti passer, celle-là. Bien essayé. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Le maître fouette l'esclave, c'est tout. Ça me rappelle que je suis toujours en vie. Vous êtes là pour les guettes, c'est ça? Vous n'êtes pas le seul à vous y intéresser. Qui d'autre s'intéresse aux guettes? Ils ne s'y intéressent pas. Ils veulent les détruire. Ils sont une épine dans le flanc du... Ils essayent d'atteindre le... Laissons-le. Il n'a plus toute sa tête. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous voulez de l'aide? De l'aide? Non. Non. Personne ne peut rien pour moi. Mais je préfère mourir en luttant jusqu'au bout. En luttant contre quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'impression d'être tombé dans un buisson de ronces. Plus je me débats... Trop tard. Voilà de la compagnie. Demandez à Faidan. Parlez-lui et... Attention! Je suis complètement perdu, je sais pas où je suis quoi. Bon là c'est fermé. C'est fermé. A priori il faut que j'aille par là parce que c'est là où il y avait du grabuge. Et là c'est là. Essayer d'aller par là-bas. Ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. Bon. Tourner par là-bas, je sais plus du tout d'où je viens, je suis complètement paumé. Est-ce que, merde, est-ce que là il y a une carte? Ok, donc là je peux pas. Donc celui-là je l'ai détruit. Ah, donc oui, j'ai là-bas. On s'en effondrait. C'est passé par là-bas. Ah, ah ben voilà, superbe. Et voilà, le système est opérationnel. C'est pas là? Non, mais c'est possible. Ok, enfin bref, je voulais... Okay. Moi je suis là. Ah mais... Là ça veut dire qu'il y a un passage? Non, il n'y a pas de passage. Allez. Donc là,
Ok, donc là, faut que j'aille par là. Ok, il doit y avoir un renfoncement. Ok. Ouais, ouais. Allez les gars. Putain, il y avait rien d'autre en face. Non mais là ouais c'était fermé. Ça s'ouvre pas. Ok, bon ben on a fait du bon taf. On va retourner voir Feydan là, je sais pas quoi, et on va avoir une petite discussion. Et je pense qu'on en terminera là. Pour cette session. Ok. Allez les gars, je vous ai sauvé le cul, comme on dit. La tour est sécurisée, grâce à vous, commandant. Ne me remerciez pas. L'essentiel, c'est que votre colonie soit hors de danger. Merci de votre soutien et de votre aide contre les guettes. On les a ralentis, mais il en viendra d'autres. Il en vient toujours d'autres. Aidez-moi à découvrir ce que cherchent les guettes et je vous ferai sortir d'ici vivant. Personne ne sait ce qu'ils veulent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont attaqué la colonie. Leur base se trouve dans le complexe Exogénie. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions. C'est quoi ça, Exogénie ? Nos patrons. Ce sont eux qui financent la colonie. Presque tout le monde ici travaille pour eux. L'autoroute mène directement au complexe Exogénie. Vous ne pouvez pas le rater. Non, c'est surtout l'armée de guettes entre ici et là-bas qui va vous poser problème. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Très bien. Ensuite, nous reprendrons les réparations. J'ai détruit un transmetteur guette dans les tunnels. Un problème de réglé. Merci, commandant. Nous avons une dette envers vous. Vous m'avez soulagé d'un grand poids. Si seulement je pouvais en dire autant de tous nos problèmes. Je peux faire quelque chose pour votre problème d'eau ? Macha Doyle essaie de régler le problème. Si vous avez des suggestions à lui faire, n'hésitez pas. D'où viennent vos problèmes d'alimentation électrique ? Allez plutôt voir May O'Connell, c'est elle qui s'occupe du réseau. Vous avez parlé d'une pénurie de nourriture. Devin Reynolds est chargé de pourvoir à nos besoins en nourriture. Je suis sûr qu'il acceptera votre aide avec gratitude, si vous la lui proposez. J'aimerais qu'on parle de Zeus Hope et de Pharos en général. Bien sûr, commandant. On a croisé un homme qui vit dans les tunnels. C'est l'un des vôtres ? Ce doit être Ian, oui. Il est très malade. Malade ? Le mot est faible. Il n'est plus le même depuis l'attaque. Nous avons essayé de l'aider, mais il refusait de nous écouter. Je ne peux aider les gens contre leur volonté, commandant. Vous avez des médicaments, non ? Vous pourriez le soigner. Ce n'est pas si simple. Ian était un brave homme, et si je pouvais le ramener à nous, je le ferais. Je vous en prie, commandant. Parlons d'autre chose. Est-ce que vous savez comment les guettes ont organisé leur défense ? Non, pas vraiment. Mais je suis à peu près sûr qu'ils sont bien mieux protégés qu'au poste de commandement. Je sais qu'au moins un vaisseau guette s'est posé près d'Exogénie, et j'ai vu des marcheurs sur l'autoroute. Le combat risque d'être rude. Qu'est-ce qu'il vous faut pour remettre votre colonie en état de marche ? Vous nous avez ôté une énorme épine du pied en détruisant ce transmetteur. Mais il faut encore parer à des besoins plus terre-à-terre, la nourriture, l'eau et l'électricité notamment. Je ne sais pas trop où nous en sommes à ce sujet. Les responsables de l'approvisionnement seront mieux placés pour vous répondre. J'aimerais qu'on parle de Zeus Hope et de Bien Féroz. Sûr, commandant. Parlez-moi de votre colonie. La vie d'un pionnier est souvent courte et brutale, même sans les problèmes actuels. Les affaires coloniales estimaient que nous n'étions pas assez développés pour intéresser les pirates. Ils n'avaient pas pensé aux guettes.
Mais malgré tout, il se dégage une inexplicable sérénité de cet endroit. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Quelle était la taille de votre colonie avant l'attaque? Près de 1000 colons sur le site principal et 200 dans cet avant-poste. Quand la première vague de guettes a pulvérisé nos défenses, nous nous sommes repliés sur Zuz Hop. Le Normandie n'est pas très grand, mais il pourrait contenir tout le monde. Non. Les chasseurs guettes sont trop dangereux. Et puis, je refuse de quitter cette planète. C'est notre foyer à présent. Nous ne retrouverons un tel potentiel de croissance sur aucune autre planète. Je reviendrai quand j'en saurai davantage. Bonne chance, commandant. Ok. Bon, bah y a plein de gens. Allez voir. Ok, Reynolds. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est vous qui avez repoussé le dernier assaut des guettes. Ils reviendront, mais nous serons sans doute tous morts de faim avant. Ah, il doit bien y avoir quelque chose à faire. Oui. Il faudrait ajouter de la viande de varenne à nos rations. Mais ils sont trop dangereux. Surtout à cause du mâle alpha. Un énorme varenne qui attaque tout ce qui bouge. À mon avis, il a la rage. En tout cas, il est incontrôlable. Je ne pourrai rien faire tant qu'il ne sera pas mort. J'ai tué le gros varenne. Je vous laisse vous charger des autres. Formidable. J'organiserai une battue dès que les guettes ne constitueront plus une menace immédiate. Parlez-moi de Zuz Hop. La colonie est en pleine croissance. Enfin, elle l'était. Mais vous devriez parler de ça à Faidan. C'est notre chef. Pourquoi Faidan? Vous avez une langue, non? Je ne veux pas vous en parler maintenant. Allez voir Faidan. Parlez-moi un peu de vous. Mon histoire est plutôt banale. Greta et moi, on est venus ici par coup de l'aventure. Prendre un nouveau départ. Niveau aventure, on peut dire qu'on a été gâtés. Avant l'arrivée des guettes, tout se passait bien. On commençait même à apprécier notre nouvelle vie dans la colonie. Je dois y aller. Tenez, prenez ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Ah, c'est gentil. Yes. Du pognon. Ah. Beau boulot, dites donc. Pas fâché que vous vous soyez pointé. Par contre, sans accus, on n'est pas tiré d'affaire. J'ai trouvé ces accumulateurs dans les tunnels. Ça vous intéresse? Je pensais bien qu'on finirait par les trouver. Tenez, Faidan m'a filé quelques fonds. C'est à vous. Père. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à me démerder pour brancher ces accus et la colonie aura de l'énergie. Ouais, donc en fait, j'ai tout fait, quoi. L'eau a été rétablie. C'est grâce à vous, j'imagine. Bien sûr. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des guettes et à reprendre le développement de notre colonie. Tenez, quelques crédits pour vous dédommager. Merci, commandant. De rien. Non. Non, raté. Putain, mais... Quel con. Bon, carte. Bon, j'imagine qu'il faut que j'aille tout au bout pour retourner au... Ok, bon, on va retourner au Normandie et puis on va s'arrêter là. Mon vaisseau. On aura fait un sacré chemin quand même. Allez, let's go, retour en Normandie. Commando, départ imminent. Décontamination en cours.
Décontamination en cours. Ok. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Oui, commandant. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Non, je peux plus y retourner. J'ai pas compris où fallait aller alors. Ok. Ah merde. Ok. Bon ben, bah, je retourne là-bas. On s'arrête là en attendant. Allez, ciao.